File-moi le téléphone. File-moi ce putain de téléphone là. Voilà. Attends, mais moi je peux pas. J'avais pas prévu tout ce soir. Ah oh, mais non, attends, je suis désolé. Et le discours, faut qu'on fasse un discours. T'as préparé un truc. Ok. Alright, I've got to show you guys. I'm in Brody. On t'a vu? J'ai changé de fauteuil. Attends, parce qu'il faut que je... La rigidité du truc est pas top. Envoie une musique triste, Naruto. Ok. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous sommes réunis en ce jour de tristesse, c'est pour célébrer la disparition de Mary. Il est décédé... Quoi ? Attends, coupe. Il est pas mort ! On arrête ! Mais qui t'a dit qu'il était mort ? Oh non, mais les mecs, mais vous suivez rien du tout ! Je fais un discours, il est pas décédé, le mec ! Il se barre, c'est tout ! Bon, c'est triste, oui, mais il n'y a pas mort d'homme, quoi, tu vois ce que je veux dire ? Je reprends. Comme vous avez pu le voir sur nos réseaux sociaux, Mary ne fait plus aujourd'hui partie des effectifs de la Salty Academy. Bien que de nombreuses personnes puissent penser le contraire, et en particulier les plus complotistes d'entre vous, non, ceci n'est pas un prank. Depuis le début, cette relation qui nous a permis pourtant de faire une partie de la grandeur du campus était basée sur un élément à la fois extrêmement simple et profondément complexe. Mary et moi sommes presque totalement opposés. L'un est un artiste, croyant, beau, humain, sexuellement très bien disposé. Qui c'est qui c'est... Il a encore fait des... Ça va pas là? Ah ouais, d'accord. En rouge, faut pas que je lise. D'accord. L'un est un excellent artiste, rêveur, qui aime les chats, un peu bohème et un peu solitaire. L'autre est militaire, passionné, amoureux des chiens, un peu rigoureux, très collectif et souvent très casse-couille. Alors de ce duo, on est sorti beaucoup de bons. Et puis, un peu de fatigue, d'irritation et une bonne dose de cet élément que vous appelez sel, mais que dans les backstage de la Salty Academy, nous appelons stress. Alors le pourquoi maintenant ? Eh bien, comme certains ont pu le constater, cela fait maintenant quelques semaines que Mary et moi, nous ne nous retrouvions plus sur les choix futurs du campus, sur les jeux, sur les concepts, sur l'horaire à laquelle ils jouaient. Comme dans tout groupe de musique, comme dans une équipe de sport ou d'e-sport, eh ben, il arrive parfois que malgré les bons résultats, il faille se séparer. Alors bien sûr, c'est toujours triste. Mais comme souvent, les individus qui arrivent au bout de leur ensemble, passé la colère, les larmes, se retrouvent souvent avec quelque chose de formidable devant eux, une nouvelle page de leur vie à écrire. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui au campus de la Salty Academy d'un côté, et Mary du sien. Mary, à partir d'aujourd'hui, et déjà depuis vendredi, ne fait plus partie des effectifs de la Salty Academy. Et vous pouvez le retrouver, et je vous encourage à le faire, dès aujourd'hui, sur sa chaîne twitch.tv/TheMary, ainsi que sur sa chaîne YouTube, qu'il annoncera bientôt. C'est un nouveau départ pour lui, et je vous invite forcément, pour tout le boulot qu'il a fait pendant ces deux dernières années ici, à aller le soutenir comme il se doit. De notre côté, rien ou presque ne changera par rapport au plan initialement présenté pendant la saison 4. Le planning sera mis à disposition très bientôt, les concepts restent les mêmes, et le sel reste aussi bien présent sur le campus. Ça ne change pas. Pour les nombreuses et bienveillantes personnes qui nous suivent maintenant sur YouTube, vous aurez pu remarquer que certaines métamorphoses ont déjà commencé. Néanmoins, pendant encore quelques temps, les quelques vidéos restantes de notre ancien duo seront mises sur la plateforme, avant de redevenir, comme avant, moi de mon côté, et Mary du sien. Et pour finir, je dirais que dans des moments comme ceux que nous passons, inutile de le dire que lui, comme nous,
auront besoin de tout le soutien que vous avez déjà pu nous donner au cours de ces deux dernières années pour aller to the top. Comme dans toute séparation, c'est des moments comme ceux qu'on vit à l'heure actuelle où l'on peut voir les vrais fans, les vrais followers, les vrais supporters, les vrais membres du staff et les vrais étudiants. Je profite d'ailleurs de cette brève parenthèse pour personnellement remercier tout le staff de la Soltier Academy et en particulier Mamo et Forlet qui nous ont permis en si peu de temps de repartir dans ce que je pense être le bon sens pour une putain de nouvelle aventure. Si vous vous attendiez à autre chose de ma part comme discours, j'en suis sincèrement désolé. Mais avant tout, sachez une chose. Je suis salty, certes. Mais pas que.